C'est une centaine d'enfants, pour la plupart en situation de vulnérabilité, qui a eu le sourire ce jour de Noël grâce à l'ONG Vie Féminine et son partenaire Radio Topa. Réunis pour toute la journée dans une ambiance festive, ces enfants ont eu droit à plusieurs repas avec à la clé l'arrivée du Père Noël. L'ONG Vie Féminine semble donc avoir compris que nul n'a le droit d'être heureux tout seul, comme l'a dit Raoul Folero. Noël est la fête chrétienne qui célèbre la nativité, c'est-à-dire la célébration qui rappelle la naissance de Jésus-Christ. Et nous la célébrons pour renouer nos liens avec Jésus en particulier et avec nos proches en général. Mais pourquoi nous avons le droit de fêter Noël dans la joie, l'amour, le bonheur, quand bien même d'autres n'arrivent pas à accéder à ce petit bout de bonheur? C'est dans ce cadre que l'ONG Vie Féminine décide de rendre le Noël de certains enfants magique, c'est-à-dire apporter aux plus démunis, aux orphelins et aux pauvres cette petite touche d'amour et rendre cette journée mémorable. La joie ainsi semée dans le cœur de ces âmes innocentes a rejailli sur les différents acteurs impliqués dans l'organisation. Le directeur général de Radio Tokpa, parrain de l'événement, n'a pas caché ses impressions. C'est la fête de Noël. Et la fête de Noël, beaucoup de gens l'unissent à la naissance de Jésus. Mais c'est surtout la renaissance et la joie qu'on met dans le cœur des enfants. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très heureux, très fier d'avoir comme partenaire l'ONG Vie Féminine qui organise cet événement. Un événement grandiose dans le cœur des enfants, surtout. Bon nombre de ces enfants sont des orphelins. Et aujourd'hui, l'ONG Vie Féminine leur a apporté un joli rayon de soleil. Elle leur a apporté beaucoup de plaisir, beaucoup de joie dans le cœur. Nous avons très chaud au cœur lorsqu'on voit tous ces enfants qui ont fait le déplacement et qui sont là avec nous et qui viennent de recevoir leurs cadeaux. Plusieurs parents ont fait le déplacement pour soutenir leurs enfants. Le rendez-vous est pris pour le 25 décembre 2024 pour la troisième édition de Noël des enfants avec l'ONG Vie Féminine.